Au cours de cette table ronde, nous avons longuement discuté des questions de co-localisation et qui montrent tout le potentiel que recèle ce concept pour un monde et une prospérité partagée entre la rive nord de la Méditerranée et la rive sud de la Méditerranée. Et je crois qu'aujourd'hui, le Maroc, grâce à un certain nombre de réformes qui ont été entreprises au cours des dernières années, les atouts nécessaires pour réellement tirer profit et faire en sorte que ce concept soit un concept créateur de richesses et d'emploi, et cela grâce à tout le travail qui a été fait pour mettre en place des stratégies sectorielles, pour créer les conditions de compétitivité de l'économie, pour favoriser à travers une infrastructure performante, réduire les coûts logistiques, ou à travers, surtout, et c'est peut-être le plus important, à travers la formation des hommes et des femmes, permettre d'avoir des ressources humaines en mesure de s'adapter à un certain nombre de défis de production industrielle. Et donc aujourd'hui, cette dynamique qui est là et qui a déjà donné un certain nombre de résultats, puisqu'on constate que la structure économique du pays a fortement évolué au cours des deux dernières décennies. Cette dynamique est là et est porteuse d'espoir et pour l'avenir.